Bon, déjà, c'est un spectacle qui est tout à fait intéressant, vraiment dynamique sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de l'ambiance. Alors, c'est vrai que l'objectif était de gagner, donc il n'est pas complètement atteint. Mais par contre, il est complètement atteint sur le plan véritablement de la qualité de ce que j'ai pu voir, de la dynamique. Puis on a vu que cette équipe, elle allait tout mettre pour se maintenir. Donc même si le match nul n'a pas sanctionné une domination qui était une domination vraiment très, très importante, on a vu que le potentiel était là pour se maintenir, ce qui est le plus important. Ah oui, non seulement j'y crois, mais je suis convaincu que les joueurs sont rendus compte au travers de la prestation de ce soir qu'ils avaient le potentiel non seulement à battre dès mardi Dijon, mais à faire en sorte de se maintenir pour avoir l'année prochaine encore plus de dynamique, plus d'enjeux, et puis un partenariat avec l'OL qui va permettre, j'en suis sûr, de progresser. Ah oui, ça va être magique, et puis je pense que pour tous les acteurs, c'est aussi une sorte de récompense, c'est un peu comme quand on joue la Coupe d'Europe, là ça va être la grande Coupe d'Europe au Parc Olympique Lyonnais, dans un stade qui sera, j'en suis sûr, presque rempli. Et donc voilà, on va pouvoir offrir non seulement aux spectateurs, mais aussi aux joueurs, un match qui préfigure de ce qui est vraiment le hockey sur glace, c'est-à-dire un grand spectacle pour tout le monde.